Hello tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve enfin pour la suite de notre let's play sur Mirror's Edge Catalyst. J'espère que vous allez bien, je sais que les épisodes sortent à un rythme complètement bancal, je suis désolé. Vous savez que j'ai eu des soucis de PC, vous savez peut-être que maintenant, enfin, j'ai été malade pendant une semaine, j'en commence à peine à en sortir, j'ai encore des restes, donc ça se trouve je vais renifler. Et dernièrement, c'est des problèmes de sommeil qui sont revenus. Donc on est vraiment sur un rythme de fou furieux, hein. Donc j'ai hâte que tout ça se calme et que je puisse reprendre mes projets, parce que ce jeu est pas très long en fait. On a presque terminé et on met environ 10 ans à le faire. Donc j'aimerais bien passer à d'autres projets depuis le temps maintenant, même si je l'adore ce jeu. Mais enfin bref. Ok, on va continuer. On s'était dit, il me semble, qu'on allait faire du secondaire. Donc la suite est juste ici, hein. Ça c'est un billet s'il vous plaît, c'est la prochaine quête. Donc ça, c'est pour après. Mais normalement, on avait autre chose. Voilà, ici. Stratégie de repli. Vous avez croisé Béatrix Bloch. Ok, on verra. Mais on va se téléporter juste là. Et je pense que ça va nous parler directement. Donc on fait cette quête, on verra le temps qu'elle prend. Et après, on ira sur un billet, s'il vous plaît, qui est la suite. Voilà. Et le jeu, théoriquement, ça se termine à la quête d'après un billet, s'il vous plaît. Il y a une quête qui s'appelle les classes. J'ai bien suivi la liste des choses. Et c'est la dernière, donc on est vraiment à la fin, donc on terminera pas aujourd'hui. Mais on y est presque, quoi. Voler plus de commandes, ok. Il y avait une petite pupus dans la planque que nous n'avions pas pris. Je m'en occupe. Alors, il fait très sombre chez toi, tu pourras peut-être t'acheter quelques lumières. Je te préviens. Par où j'étais censé sortir, là, parce que... Ah, comme ça. Est-ce que je suis au bon endroit, là? Oui. Ok. Ok, elle est là. D'accord. C'est le bon endroit sans être le bon endroit. Ok, pardon, là j'ai pas appuyé, c'est ma faute complète. Alors, est-ce que je peux passer par là? Je vais me cracher, je sens... Non, ça passe. Non. Ok, deux minutes et demie de vidéo, premier fail. C'est rien. Là, je pensais franchement qu'elle passerait. Bon, c'est vrai que les petites barres comme ça, ça doit pas être très agréable pour atterrir. Donc, on peut comprendre. Mais là, tu dois pouvoir descendre juste ici. Vas-y. Alors là... Ok, si le clavier commence à ne plus répondre... Non, non c'est bon, voilà, don't panic. Moi, je voulais que tu montes. Ok, c'est pas grave, il y a un escalier. J'adore cette zone, elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup. Alors, bonjour, madame. Vous avez croisé Béatrix Bloch... Parenthèse, vous saviez l'explosion la dernière fois, je vous ai dit « what the fuck ?» et j'ai vu quand même bon nombre d'entre vous qui étaient comme moi, donc finalement c'était pas totalement mon problème. Mais d'après vous, c'est Black November qui avait fait ça parce qu'elle avait un peu mis en garde, genre ils ne sont pas en sécurité dans leur tour. Donc peut-être que c'est elle, peut-être qu'on en apprendra plus tout à l'heure, bon, on verra. Vous avez croisé Béatrix Bloch, à chaque fois Béatrix ça me fait penser à FF9, petite pensée. Peu avant votre arrestation il y a 2 ans, vous aviez eu une conversation brève mais franche. Bien qu'elle fasse partie de la Surcast, quelque chose vous rapproche. Elle aurait besoin d'un coup de main, même si vous avez du mal à imaginer de quelle aide une femme comme elle aurait besoin. Honnêtement, je pensais pas te revoir un jour. Ça fait un bail, hein, Face. À part avec toi, j'ai rarement eu de conversation honnête. Que t'est-il arrivé? Je me suis plantée. On m'a enfermée. Me voilà hors circuit. Et tu sais qu'on parle beaucoup de toi dans les dîners en ville. Kruger vous déteste, toi et les tiens. C'est réciproque. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Béatrix? Eh bien, je me suis mariée depuis notre dernière rencontre. Une union professionnelle avec un certain Peter Bryson. T'as pas eu ton mot à dire? C'est le conseil qui en a décidé ainsi pour consolider les liens entre Bryson Industries et Cascadia Logistique. C'est n'importe quoi. C'est pourtant vrai. Et à la limite, je pourrais m'y faire, mais... T'as peur? Peter, quand il s'énerve, il cogne. Tu veux que je lui pète les poings? C'est tentant, mais non. Je veux divorcer et je sais comment faire. Il paraît qu'il couche avec Aurore Lupin-Tanner. Une liaison comme celle-là, ça peut faire du bruit. Mais t'as besoin de preuves. Oui. Si tu pouvais placer des micros aux endroits que je t'indiquerais, on aurait de quoi exiger du conseil qu'il annule le mariage. C'est d'accord. Envoie-moi les positions. Ok. Merci, Face. Je te revaudrai ça, sincèrement. Oh,
Ok, mission adultère, implanter un virus dans le bar pour dénoncer un type qui cogne sa femme. Ça me plaît, hein. Il faut dénoncer ce genre de personne. Donc c'est où? C'est pas très loin. En plus, un mariage, c'est dégueulasse ce genre de mariage là. Un mariage arrangé pour unir les entreprises en gros. C'est assez curieux, hein. Alors comment aller là-bas? Faut faire tout le tour par là. Ok. Wouhou! Allez, c'est parti, fluidité. Face, il faudrait placer le premier micro dans son restaurant préféré. D'accord. Fais bien attention aux patrouilles de Kruger Sec. Les lieux publics sont tous très surveillés depuis les derniers attentats à la bombe. Alors... À elle seule, Face peut battre 10 agents Kruger Sec. Ou même 20. Kuma dit qu'il ne connaît pas meilleur qu'elle. Oh. Et qui parle là? Je suis Plastique. Et vous êtes Béatrix Block, héritière de Cascadia Logistique, mariée à Peter Bryson. Ok, j'ai tout raté. Moi, je pensais faire un super truc en jouant avec la gravité. La gravité n'est plus avec moi. Il y a eu une mise à jour gravité, en fait. Tu sais pas, même. Je pensais faire un super truc. Enfin, bref, écoutez. C'est pas grave. Donc, elle nous parle d'attentat à la bombe, comme quoi... On l'a pas rêvé, cette explosion. Elle a existé. Hein. Elle a des auteurs. Mais on n'en parle pas vraiment. Ça m'étonne de ne pas l'avoir pris, celle-ci, parce qu'on avait vu tellement de fois, là. Mais on était peut-être en mission. Il y a des trucs, des fois, c'est pixelisé comme ça. Là, tu sais pas pourquoi. Le jeu est à fond au niveau que... Enfin, bref. Un petit peu spécial. Allez, nous en étions où dans... On était dans la fluidité. Regarde, il y a de bien. Mais j'arrive... Ok, mise à jour gravité, mais aussi mise à jour badass. Oh, ce petit jambier. Le petit jambier coupé. Le restaurant propose une terrasse extérieure. Peter y a l'habitude, mais il prend... Hop là! Allez! Merci, au revoir. Il y en a un là-haut. Bonjour, tu vas tomber! Tu vas tomber! Tu vas tomber! Merci. Alors, le premier micro, c'est un peu plus loin. Dis donc, votre restaurant, il est classe. Je dis pas le contraire, hein, mais il est vide. Il est où le... Oula! J'avais pas vu ce tuyau pour s'attraper, là. Mais attends, il est où ton resto? Attends, déjà, il y a une pupus, donc... Il y en a même deux. Attends, il y en a une là-haut aussi, je suis pas fou. Je ne suis pas complètement fou. Ok, pardon. J'ai pas vu où tu voulais poser ta pupus. Il y a un garde dans le coin aussi, que je n'ai pas vu. Non, il est revenu, lui, c'est pas possible. Attends, je mets le micro ici. Ne me dérange pas. Attends, qu'est-ce que tu veux, toi? Oh là là! Là, comme ça? D'accord. J'installe le micro. D'accord, pas discret, je trouve, excusez-moi. Hein. Sa petite garçonnière. Je sais qu'il s'y retrouve souvent. Vous parlez de quoi, là? Vous êtes qui, déjà? Je vous l'ai déjà dit. Moi, c'est Plastique. Faye, c'est une amie. Ouais, mais t'écoutes un peu trop les conversations, bien, hein. Plastique, mon mari est un grossier cavaleur. Et j'aimerais bien divorcer. Vous ne pouvez pas? Face m'aide en plaçant des micros. Ah, ok. Mais, petite indiscrète. Mais il y a un micro. Vous allez l'écouter dormir? Pas vraiment, Plastique. Sa maîtresse sera avec lui. Oh, la ferme, Kuma. Ah. Ok, tout à fait. Vas-y. Deuxième micro en place. Mais là, tu veux écouter la chambre depuis l'extérieur. Je t'ai envoyé la position. Merci pour tout ce que tu fais. Non, mais y a pas de soucis, y a pas de soucis. Tant qu'il y a de l'XP derrière, vous savez, ouais, je veux bien rendre service. Hein. Par contre, Plastique, la petite indiscrète, quoi. Genre, d'un conversation, puis d'un coup, boum. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Ok. Ouh. Ma foi, Plastique. Oh, coucou, toi. Au revoir. Pas très causant. Y aurait-il pas une Me TV dans le coin? Parce que c'est une grande marque. Je veux la Me TV. Elle est où? S'il vous plaît. Elle est là? Ouais, elle est pas là. Mais c'est n'importe quoi. Là-bas, il y a le salon. Et... Il n'y a pas de Me TV. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est n'importe quoi. Bah, laissons tomber. Peut-être qu'ils l'ont acheté sur Amazon et qu'elle n'est pas encore arrivée. Tu sais pas. Bref.
Continuons, je dis n'importe quoi, histoire de perdre encore plus de temps sur ce qu'on met du temps à faire. Olé ! Le bureau de Bryson est doté d'un système de sécurité assez sophistiqué. Ok, là... Le champ est indétectable, c'est ce que m'a dit le vendeur. Là, au moins, elle sert à quelque chose, plastique. Ça risque de chauffer là-bas, Face. T'inquiète, je suis la discrétion et je suis surtout la fluidité. Regardez-moi ça! Je suis le vent, comme Pocahontas. Wouhou! Jamais j'ai fait ça! Non, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un succès. Je sais pas si ça... S'il se met sur frappe, je sais plus. Mais il y a eu un succès. Interagir. Interagir! Merci. Ouh, plein de succès. Ça y est. C'est fait. Évidemment, je me fais choper. L'alerte est déclenchée. Tu ferais bien de t'en aller. Je m'en vais. J'espère que ça te suffira, Béatrix. Oui, j'en suis sûre. Merci encore, Faith. De rien, de rien, de rien. C'était un plaisir. Maintenant, on va éviter de se faire choper. Ah bah, on est dans une planque. C'est bon, c'est bon. Oh, on a un nouveau point. On apprécie tout ça. Ok. Qu'est-ce que j'avais dit? On les met dans déplacement. Dans déplacement, on a tout mis. Dans combat, parce que j'aime pas trop tenue. Voilà. Alors, à moins que la dernière mission soit à fond sur les robots et que du coup je vais le regretter. Mais on va faire plus de dégâts, et ce sera très bien. Alors, c'est des combos, ça, c'est vrai. Ouais, ça me paraît bien. Des petits combos. Les attaques slalom légères génèrent plus de concentration. Non, mais c'est très très bien! Et finalement, on n'a pas fait tout ce que le jeu propose, on n'a pas récupéré tout, mais on a bien complété l'arbre de talent, donc. Donc c'est pas mal. Écoutez, cette mission secondaire était rapide. Plutôt sympa. Et la suite, bien s'il vous plaît, est ici. Donc on va se mettre là. Voyage rapide. Et cette fois, on va continuer la quête principale. Donc voilà. On est pas mal. Par contre, plastique, voilà. Faut arrêter d'écouter les conversations. Peut-être que c'était juste pour l'introduire, pour qu'à la dernière étape, elle puisse dire « Attention, tu vas te faire repérer ». C'était sûrement ça, parce que sinon on l'aurait entendu d'un coup, genre oh, qu'est-ce que tu fais là? Allez, la téléportation! S'il vous plaît! Merci. Bien à vous. Où est mon point? Là. Tac. Merci. Ah, on est dans notre planque, j'avais même pas fait attention. La planque de Noah. RIP, on pense à toi. Il me semblait que je pouvais passer à un endroit là. Bon, c'est pas grave, on va descendre. Ah non, par là. Ouais, mais c'est pas du tout le bon endroit, du coup. Ouais, bah oui. Ah, quoique. Ah, quoique. Ah, quoique, mon petit ami. Non. Non, mon petit ami, il est pas passé par là. Mon petit ami, c'est... comment il s'appelle? Icarus. Icarus, il passe par là, comme un chat, tu sais. Je suis sûr que je peux, si j'allais moins vite. Mais bon, on va juste trouver le bon chemin. On n'est pas comme ça, nous, hein. Ah, puis ils me remettent là, les salauds, genre, recommence ta connerie. On va éviter, hein. On va juste descendre, il n'y aura pas de souci. Où est l'escalier, déjà? Il est là. Voilà, en plus, il y a les trucs rouges, je n'ai aucun souci. La roulade du vomi, toujours appréciée par les viewers, n'est-ce pas? Je sais que vous aimez ça. Vas-y, merci. Hey, toi. Non, c'est bon. Ici. Non, je m'en fous. Débrouille-toi. Ok. Bon, on est juste à côté, en fait. C'est bon. Là, ça devrait pas plaisanter, par contre. Hein. Ok. Le virus pour réflexion sera bientôt prêt. Pour le transférer, il faut que vous alliez au centre réflexion principal à Sky City. Il se trouve tout en haut de l'éclat. Un immeuble en train de s'effondrer. Ah bon. Pour vous y rendre, il vous faut un moyen de transport. Plastique vous envoie pirater le centre de contrôle des transports urbains, ce qui lui permettra d'envoyer un train dans le conduit d'évacuation vers Sky City. En espérant que vous fassiez partie du convoi. Bon, tu y es. Connecte-toi à la console que je t'ai indiquée, que je puisse m'infiltrer. Quand je commence ça à me paraît dangereux. Tu devras te rendre très vite à chacune d'entre elles, Face. Pour info, hein. Ça me paraît dangereux, ton bazar. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça me semble étrange. Alors, attends. Le but, c'est d'aller là-haut. Attends, vas-y, grimpe.
Ok. Je suis là, je te connecte. Et voilà. Et vas-y, au suivant. Vite. C'est parti. D'accord, il est où le suivant? Ok. On va suivre le rouge. Oh, j'ai raté. Quoi? Attends, elle est morte en... Elle a trébuché sur une marche, là? Je suis sur pression. Ok, c'est pas grave, on va pas t'en vouloir trop. Personne ne se rend compte de la complexité de ce que je fais. Si, mais tu te la pètes un peu trop, quoi, c'est tout. Super! C'est pas par là. Génial, merci beaucoup. J'ai bien suivi le rouge encore une fois. Rien du tout. C'est pas grave, on a 3 minutes. 3 minutes, c'est easy. Easy, 3 minutes. Easy. Là, il peut pas se casser ce truc et arrêter de se remettre en route. S'il n'y a pas de garde, c'est facile. Hop là. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Je suis stressé par cette mission. La mission me stresse. Bam! Bonjour. Ça fait longtemps qu'on n'est pas passé par là non plus. Là, on est dans les premiers trucs. Connectez-vous au deuxième centre. Salut! Ouah, y'a du monde à la... Dégage. Tombe. Merci. Ok, on est au deuxième point, effectivement. On va essayer d'en avoir un en hauteur, là. Non, mais la gravité, elle marche plus! La gravité est décédée. Lui, il est tombé. Toi, tu vas te faire foutre. Bam. Toi, tu vas te faire foutre. Bam. Voilà la gravité pour vous. Merci. Ok, alors, dame. Oh là là, maintenant ça bouge. Super, vite. Ok, on en a un. Vas-y. Ok, il reste une petite minute. Ok. Ça bouge là-bas? Non, c'est bon. Ok, on est bon. Ok. C'est bon. Alors dis-moi que ça reset le timer. Connexion. Parfait. J'ai gagné un peu de temps. Maintenant le dernier. On a une très très belle vue par ici. Ça reset. Ah non, c'est bon. Bon, que 2 minutes au lieu de 3 hein, quand même. Hein. Allez, on fonce. On va sûrement avoir des gardes encore de toute façon. Connectez-vous au dernier. Je le vois même pas ici. Alors, est-ce qu'il y a des méchants? Oh, regardez une pupus. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de méchants, ok. Tant mieux. Par contre, il me reste une petite minute. Allez, 1 minute 30, 20, enfin bref, pas longtemps quoi. Alors, comment ça se passe là? Vas-y. Non, tombe pas. Comment ça fonctionne ton machin là? Ok. Vas-y. Allez, go. Ok, on en a un. J'en ai... Ouais, excuse-moi, je fais ce que je peux, hein. Lui, c'est cassé, là-bas. C'est bon. Ok, doucement. Monte. Ok, c'est bon. Ouh. Tu as réussi. J'ai accès à tout. Je contrôle les trains. Entrera sans problème dans l'éclat. Plastique. Plus forte que toi, ça existe. Bien sûr. Vraiment, je t'assure. Après tout ça, je resterai en dehors du grid quelque temps. Tout ce que je fais laisse une trace. Et le grid Watch pourrait me repérer, malgré sa nullité. Échapper aux forces, super. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Toi, tu vas t'en prendre une. Boum! Allez. Toi, tu tombes. Tu tombes. Merci. Aïe. Cours. Quoi? Où suis-je? Il y avait un trou! Sérieux. Cours. Il y avait un trou entre les immeubles qui n'était pas tout à fait prévu dans le plan. Waouh! Fonce à la planque. Bonjour les gars! Dégage! Allez. Les coups de poing, hein, j'en abuse un peu, mais... Enfin, les coups de pied, pardon.
C'est très efficace, donc yeah. La dame va tirer. Non, 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 merci, merci. C'est gentil, mais ne tirez pas. Non. Il y a du monde. La planque. Je pense que j'aurais dû rentrer dans le bâtiment et que je ne l'ai pas fait. Et voilà, le vomi. Oh, regardez. Excusez-moi, je prends un peu d'XP. Parce que là, on n'est plus vraiment en mission. On est juste en mode... je m'échappe. Bon, j'aurais dû rentrer dans le bâtiment. On va essayer. Ah, oh, la gravité n'est plus avec moi du tout. Oh, la porte. La porte est partie. Je ne pouvais pas rentrer par là, c'est sérieux. Arrêtez de vous tirer dessus. On continue, c'est pas grave. Je vais trouver une planque, moi, je m'en fous. La planque. Oui. Allez, on va être dans la planque de la vie en plus. Quoi? Face, qu'est-ce qui t'arrive des fois là? Tu fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, on va leur échapper quand même parce que voilà. Bien joué. Kumas demandait si tu y arriverais. Mais moi, j'ai jamais douté. Pourquoi la musique s'arrête pas là? Ok, j'ai un point. En tout cas, c'est gentil. On va continuer avec la concentration. Même si les slaloms, j'en fais pas. Enfin, je combats pas très bien en fait, finalement, parce que. J'utilise pas toutes les techniques que je pourrais utiliser, tout simplement. Les techniques slalom légères génèrent plus de concentration. Alors que ça, voilà, le clic-clic-clic, là. Ah, mais c'est du clic molette en même temps. Le gars qui avait pas compris, encore une fois. Ouais, c'est pas grave. Ok, la musique ne s'arrête pas. Ah, ça y est. Voilà, mission principale, l'éclat. Je vais pas dire, mais ça, c'est la dernière mission. Hein. Je veux pas être... voilà! Défaitiste ou quoi? Mais c'est d'après moi la dernière mission. Donc on va s'y rendre. D'ailleurs, je peux me téléporter ici pour voir directement, mais... ah bah c'est chez Plastique, c'est vrai. On peut écouter le briefing et à la limite... on se laissera. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de terminer sur cette vidéo. J'aimerais bien qu'on... non? Non, j'en sais rien. Allez, on y va. On verra ce que ça dit déjà. La mission peut être très longue de toute façon, hein. Ok. Alors, dis-moi tout. Plastique et le docteur Meira ont terminé la mise au point du virus pour réflexion. Celui-ci permettra d'anéantir le projet réflexion de Kruger et d'empêcher l'asservissement émotionnel d'Icarus, du docteur Meira et des millions de citoyens. Allez chercher le virus au repère de Plastique. Le docteur Meira et Plastique sauront ce que vous devez faire. Ne l'encourage pas. Je dormais. Il faut bien qu'il s'occupe. C'est prêt? Mais oui, c'est prêt. Comme on avait dit, non? Il y a une console dans la salle de contrôle principale de l'éclat. Plante-y le virus. Il va provoquer la corruption définitive de la porteuse et la désactivation des nanites de réflexion. En gros, tu montes tout là-haut. Le reste est un jeu d'enfant. Plus ou moins. Simple, non? Voilà. La mission des missions. Si j'en reviens. Bon, bah, quand faut y aller, faut y aller. Des conseils? Ne meurs pas. Bah, pas mieux. C'est notre seule chance d'étouffer réflexion dans l'œuf. Allez. Vas-y, ma grande. Sauve-nous tous. Ok. C'est juste là. On va se rendre sur place. Et on se laissera là-bas. Je pense que c'est plus émotionnellement intense si on se lance la mission la prochaine fois. Je pense que ce sera mieux. Alors, attention quand même. On va éviter de tomber. What? C'est quoi ce passage de merde? Très bien.
bien. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Vaut mieux que ce soit la prochaine fois, parce que sinon on va... Une fois que tu vois, ça ira mieux. Peut-être que je le tournerai en même temps, je sais pas. Bref, peu importe. Comment je suis censé passer là? Ah, mais il y a un tuyau, mais c'est pas vrai d'être aussi aveugle. Mon dieu, mon dieu. Tu me fais passer de l'autre côté, alors que le truc est là-bas. Très bien. Fuck la logique. Ah, mais peut-être que je ne peux pas... Non mais attends, c'est quoi cette idée là? Wouh! Où est-ce que je vais, mes pauvres amis? Attendez, je crois que je me suis complètement paumé. Ouais, d'accord, il fallait que je passe là pour faire tout ça. D'accord, très bien le jeu. J'ai décidé de te suivre un peu de temps en temps. Oh, on essaye juste pour le lol. Ouais, ok, c'était impossible. C'est pas grave. C'est pas grave, ça m'amuse de temps en temps. Très bien, suivre le rouge. Pourquoi j'ai pas voulu? Je suis trop anticonformiste. Puis alors là, maintenant, pour descendre, bonsoir. Attends. Hop, hop, hop. Voilà, voilà, voilà. On y est. Remets-moi le rouge, s'il te plaît. Yaourt, yaourt, yaourt. Ah, non. C'est bon. Ok. Moi, je suis le rouge. Pas de soucis. Y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde. La gravité. Gravité que dalle. La gravité est vraiment décédée. Hein. Ça ne marche plus du tout comme avant. Avant, je te faisais des sauts à la Matrix. Je les défonçais. Je me prenais pour Trinity. Mais alors maintenant, rien de rien. C'est dommage parce que ça m'aide bien. Pas ma faute là. Pas ma faute à moi. Moi, Lolita. Je suis désolé, elle... C'est comme ça. Voilà. Moi, j'appuie sur espace, elle prend les barrières, mais si elle a pas un minimum d'intelligence... Oui, bon, là, c'est moi qui ai craqué l'ouverture, c'est pas grave. Comment je passe, s'il vous plaît? Pourquoi il n'y a plus de rouge? Très bien. Le cerveau est malade, laissez-moi tranquille. Je réfléchis avec deux tensions. Donc, voilà. Respectez, s'il vous plaît. Les gens ne sont pas tous comme vous. Oh, c'est pour moi, ça. Merci pour l'XP. Là, on peut passer là. Pour descendre. Ok. Doucement. Il fallait aller en bas, effectivement. Mais arrêtez de laver vos vitres aussi bien, quoi. Je vois pas où il faut passer après. Ok, j'ai un peu raté. Je me souviens de cette échelle-là. Wow ! Doucement. Je me souviens très bien de cet endroit. Un effort. Ok, on y est. Ah, c'est en dessous. C'est pas possible. On n'y est pas. On n'y est pas. Ou alors c'était au-dessus. Non, mais non. C'est en dessous. Hein. Pas de mauvaise blague là. Mais. Très bien. Bonjour, Paul 27. Comment je vais là-bas? C'était pas au-dessus, le point il me disait en dessous. Attendez, je suis en train de devenir fou encore une fois là. Il y a moyen de descendre encore, à moins que... Ok, merci beaucoup. Très bien, je comprends mieux en fait, fallait ouvrir ça. Ok, eh bien écoutez, on va se laisser là, et on se fera théoriquement la dernière mission la prochaine fois, donc je pense qu'on termine le jeu la prochaine fois. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Et que la reprise se fasse vraiment, tu vois, avec un bon rythme. Et que tout le monde soit content et qu'on passe aussi à autre chose. Mais qu'on voit aussi la fin de ce scénario, parce que ça m'intrigue tout ça. Mais voilà, un nouveau départ pour la chaîne, s'il vous plaît. Moins de catastrophes, je ne sais pas qui m'entend. Mais peut-être que le chef de la pâtisserie
ou de la folie. Bref, quelqu'un, une force incontrôlable, m'aide un peu et arrête de me balancer de la merde. Voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Voilà, allez, bye bye.